est papa? Je ne sais pas, il est sorti. Où est-ce qu'il est parti? Je n'en ai aucune idée, il était venu juste prendre quelque chose puis est ressorti. Maman ne bouge pas. Et le docteur a dit que papa doit signer un document avant qu'on ne puisse la traiter. Je vous ai dit à toi et au père de ne pas l'emmener à l'hôpital là. Mais vous avez insisté. Maintenant, pourquoi tu m'impliques? Mais tu peux aller signer ce document pour que nous puissions sauver la vie de maman. Oh, je vois. J'ai pas ce temps là ce matin. Dike. Pourquoi ne m'as-tu pas fait part de ceci? Je n'arrive pas à comprendre. Ne prétends surtout pas ne pas comprendre, Ono. Je viens juste de la maison de Ikemba. Et il m'a dit que ceci est le sceptre de la fraternité d'Idimiri. Mais toi, tu m'avais pourtant dit que ceci était le sceptre du royaume d'Anokba. Bouddhi, pourquoi penses-tu que tu peux être le roi d'un aussi grand royaume sans aucun support spirituel? Mais tu as vraiment été chanceux d'être le roi. Mais tu es supposé être très intelligent pour faire tout ce que la fraternité te demande. Tu savais très bien ceci. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? T'arrêter? Mais qui suis-je pour défier les dieux? En fait, c'est un honneur et c'est vraiment bien mérité. Je veux dire, comment pouvais-je t'arrêter d'être notre roi pendant que les dieux eux-mêmes t'ont choisi un homme aussi bon que toi pour être notre roi? Laisse-moi te dire, le roi n'a pas commis une erreur en te choisissant comme le roi après la mort de son unique fils. Je ne veux surtout pas que ma femme meure. Omochi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je n'ai plus du tout besoin de ceci. Tu ne me l'avais pas très bien expliqué à ce que je vois. Partons maintenant chez moi, on va en discuter. Je n'irai nulle part, à aucun endroit avec ceci. Arrête un peu de te référer à notre style de vie. Ça n'a pas de sens. Je n'étais pas en train de blaguer quand je disais que j'allais jeter cette chose très loin. Si tu oses le faire, 3 membres de ta famille vont mourir, après ça sera ton tour. Et rien ne peut l'arrêter, si seulement tu oses le faire. Ikemba. Oh non. Ce n'est pas du tout la façon dont vous deviez me rendre l'appareil. Pour toutes les choses que je n'ai pas cessé de faire dans cette communauté. Est-ce donc ainsi que vous me payez? C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors maintenant chez moi et nous allons en discuter. Écoutez votre Altesse. N'ose surtout pas m'appeler ton Altesse. Appelle-moi Omemboji. Omemboji. Je ne savais pas que tu étais un homme aussi têtu comme ça. Pourquoi tu ne suis pas Ikemba? Dans sa maison. Il te dira ce que tu dois faire. Je pense que nous parlons de la vie ici. Il s'agit de la vie ici. J'ai dit que je ne bougerai pas du tout de cet endroit jusqu'à ce que vous ne repreniez cette chose de moi. Omemboji, allons maintenant dans ma maison et nous allons parler de tout ça. Ok, ça va. Pardon, je te rappelle, hein. Es-tu en train de me regarder? Ne vas-tu pas lui sauver la vie de maman? Hé, je te l'ai dit. Je ne veux pas m'impliquer dans aucune affaire qui concerne la mère et les dieux. D'accord? Je suis juste revenu pour prendre de l'argent. C'est pour ça que je suis là. Vous l'avez compris? Terminez-le. C'est vrai, Saïke? Y a-t-il quelqu'un d'important que la vie de ta maman? Je m'en fous, dis ce que tu veux. Ouais, désolé, j'ai été brutalement interrompu. Maintenant, dis-moi de combien est-il question au juste? Allez, mon frère, ne me fais pas ça. Juste 1 million? Exactement. Hey, je vais te retourner l'argent. Donne-moi juste un peu de temps. Ok. Non, t'inquiète, c'est juste un élément perturbateur ici. Je vous ai dit que je ne quitterai pas cet endroit avec cette chose avec moi. Prenez-la tout de suite, ou je la jetterai. Omemboji. Ah!
Aide-moi. Onoru, à l'aide, aide-moi. Onoru, aide-moi. Nous étions en train de te parler, mais tu ne voulais pas nous écouter. Tu es voilà en train de crier, aide-moi, aide-moi. Ikem, aide-moi. Ikemba, reviens ici. Aide-moi. Aide-moi. Maintenant, hein? Non, nous devons tous t'applaudir. Ma mère est morte parce que tu as refusé de faire ce qui était nécessaire. Que nous t'applaudissions, n'est-ce pas, hein? Père fier, que nous t'acclamions pour avoir tué ta femme, n'est-ce pas? Quel genre de père! Nous devons célébrer parce que tu as bien fait. Finalement, tu as réussi. J'ai perdu ma mère à cause de ton incompétence. Parle, non? Désolée, ma princesse. Désolée, ma princesse. Désolée. Dis-moi que c'est faux, hein? Dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que c'est faux! La reine est morte. Hey! La reine est morte. Non, nous devons t'applaudir. Tu es maintenant content, n'est-ce pas? Non, tu as bien fait. Donc on doit t'applaudir. Bon mari! Dis-moi combien te coûterait un bœuf que tu ne pouvais pas acheter et sacrifier pour sauver la vie de ta femme. Tu as préféré le christianisme à la vie de ta femme. Ça fait honte, père. Eike Chukwu, peux-tu la fermer? Va, tu te tairas. Ferme ta gueule. Tu ne parles pas quand les hommes parlent. N'étais-tu pas là quand je lui ai dit ce qu'il fallait faire, mais il a refusé? Je ne te permettrai pas de parler à papa de cette façon. En fait, de quoi parles-tu? Et qu'avais-tu fait pour sauver la vie de maman en tant que le fils aîné? Tout ce que tu savais faire, c'est demander de l'argent à maman à tout moment. Ah, vite, ferme ta sale bouche. C'est du mensonge, n'est-ce pas? C'est vrai? Dis-moi. Est-ce que c'est vrai? Réponds, allez. Oui, c'est vrai. Oui,
Et toi, écoute, on n'a pas le temps pour ça. Si tu veux pleurer, va dehors et pleure. On discute des choses de grande importance ici. Ne viens pas ici pour faire semblant de pleurer. Et toi, père, maintenant que ma mère est morte, vas-tu maintenant me donner l'argent que tu m'as promis avant sa mort? J'ai des choses importantes à régler avec l'argent. Oh non, tu es vraiment cinglé. Sûrement, il est stupide. Si tu me parles encore comme ça, je vais te gifler. Es-tu malade? J'ai besoin de l'argent, père. Je veux cet argent pour régler un problème avant qu'il ne me soit trop tard. Ike, tu es méchant. Il serait mieux de manquer un enfant au lieu d'en avoir comme toi. Si tu ne me donnes pas cet argent, je ferai quelque chose que tu vas regretter dans cette maison. Père? Ok, tu veux que toi et moi entrions dans un bras de fer, n'est-ce pas? Oh, père, je te parle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais dis-moi un peu, comment c'est arrivé? Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que la reine est morte. Hey, oh. La reine est morte, elle est juste morte. Comme ça. Père, réponds-moi. Je te parle. Si tu pars avant que tu ne reviennes, je te rendrai cette maison insupportable. Ok, pas de problème. Fais le sourd muet. Toi, je parle et tu fermes la portière, imbécile insolent. Fou. Ike. Chia. Ike Chuku, tout fier. Tu es anéanté. Oui, c'est vrai que tu l'es. Tu ne peux même pas accorder un peu de respect à ta défunte mère. Pourquoi tous ces théâtres? Il y a un truc que tu ne veux pas nous dire. Comment peux-tu parler à papa de la sorte? Comment peux-tu? Tu es vraiment impoli. Vous êtes des stupides, les deux. C'est toi le plus grand fou. J'accepterai ça parce que vous êtes ignorant de ce qui s'est passé. Pour votre information, le père est responsable de la mort de la mère. Oh, s'il te plaît. Il était supposé faire un sacrifice, mais il a refusé de le faire. De quel sacrifice es-tu en train de parler? Quelqu'un m'a dit qu'il était supposé faire un sacrifice de sang le mois dernier, mais il a refusé. Maintenant, dites-moi, c'est quoi un simple bœuf que votre père ne pouvait pas acheter pour sauver la vie de sa femme? Mais ce que tu racontes est vraiment absurde. D'un côté, tu racontes que papa est responsable de la mort des mamans, et de l'autre côté, tu demandes de l'argent. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ne suis pas ton grand frère éhonté. Sais-tu qu'il était là à l'hôpital hier pour demander de l'argent à maman? Quoi? Et lorsqu'il avait réalisé que maman était malade, il avait quitté l'hôpital. Et je l'avais suivi pour lui demander de venir signer un document de traitement de maman. Sais-tu ce qu'il avait fait? Il avait refusé. Si tu m'avais suivi à l'hôpital pour signer ce document, tu allais sauver la vie de maman. Et pourquoi toi tu n'as pas signé la fiche de consentement? C'est très simple. C'est toi l'héritier du trône, c'est très clair. Très ridicule. Vous ne comprenez même pas un simple fait. Le père est responsable. Ça dit mon passage. Tu es éhonté, Ike. Chia. Ike, Chike, tu es un éhonté. Ta mère ne pouvait pas mourir, je te dis. Mboudji, j'ai appris ce qu'il s'est passé. S'il te plaît, accepte mes condoléances. Qui est à la tête de cette fraternité? Je crois que Nkemba est vraiment le mieux placé pour répondre à cette question. Oh no. Mboudji, je sais très bien que tu as quelque chose à dire à propos de ceci. Oui, bien sûr. Tu aurais dû faire ce sacrifice. Oh no. Mboudji. Serais-tu seulement heureux si j'utilisais ta fille pour le sacrifice? Accepte mes condoléances, Sa Majesté. Ikemba, qui est à la tête de ce culte? Ce sont des dieux, de nos ancêtres. Tu es prêt pour le sacrifice de sang? Non, pas après qu'ils aient pris le sang de ma femme innocente. Omembodi,
Les dieux sont sages. Ça, c'est une demande très simple. Tu aurais dû sauver ta femme. Mais bon. Mais ce n'est pas encore tard. Tu peux toujours sauver la vie de tes enfants. Tu devras penser un peu à ta famille. Si les dieux étaient sages, ils auraient dû prendre ma propre vie au lieu de prendre celle de ma femme innocente. Si les dieux étaient sages, alors ils devraient faire mieux que ça. Ikemba, comment suis-je supposé sauver la vie de mes enfants avec le sang de la fille d'un autre homme? Comment? Et même Boji, rappelle-toi, je ne suis pas celui qui te demande de faire le sacrifice. Alors, ne réagis pas, on dirait que c'était moi qui étais ton ennemi ici. Pense un peu à ta famille. Je suis ici pour te faire savoir, ainsi qu'à tes dieux, que je ne prendrai plus du tout part pour sacrifier un quelconque humain. Tes choix, tes calamités, ta douleur. Ikemba, je veux juste que tu saches que je finirai par me sortir de là, tôt ou tard. Crois-moi. Bonne chance, Sa Majesté. Bonne chance. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette famille en premier lieu. Qu'est-ce que Kemp t'a raconté? Si le père refuse de faire le sacrifice, nous mourrons tous. C'est ce qu'il a dit. Quel sacrifice? Je ne peux pas croire que tu étais allé chez Kemp à chercher les conseils. Ne sais-tu donc pas qu'il était l'une des personnes qui refusait que papa puisse devenir roi? Bien pour ton information, petite sœur, l'inquiétude n'est pas qui est content du père ou non, mais qui va mourir le premier parmi nous. Et tu crois à ça? Oh Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Tais-toi si tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Tais-toi, tu ne connais rien. Si je ne t'étais pas allé, aurais-je été informé? Je te parle du nouveau et tu vomis des conneries. S'il échoue de faire le sacrifice, nous allons tous mourir. Oh Dieu merci, il est là. Ikem, j'espère que tu n'as pas oublié que la famille royale a des ennemis. Es-tu malade? Vas-tu te taire? Donc tu veux que nous mourions tous avant que tu nous fasses le nécessaire, n'est-ce pas? Je te pose la question, père. Comment est-ce qu'un père se soucierait-il moins de ses enfants? Pourquoi ne pas laisser de côté ton orgueil et faire ce qui est juste? Pourquoi? Ikechukwu, si tu ne te tais pas, je te jetterai un mauvais sort. Ah, je l'ai dit. L'as-tu entendu? Un père qui menace de maudire son fils parce qu'il dit la vérité. Ike, tu ne peux pas parler à papa de la sorte. Si tu ouvres encore ta sale gueule là pour me dire un mot, je te giflerai. Non, dis-le lui.
Vas-y et maudis-moi. Qu'est-ce que tu attends? Ikechukwu, je sais qu'on a planté une semence de discorde en toi. Mais si tu essaies juste de te calmer, je t'expliquerai absolument tout. Absolument tout. Tu mens. Je ne me calmerai pas. Je ne vais pas croiser les bras et me voir mourir pour rien. Tout ça parce que mon père a refusé de faire ce qui est juste. Je ne vais pas me calmer. L'une des plus grandes erreurs que j'ai commises ici était ne pas poser de questions avant d'accepter le leadership de ce royaume. Si j'avais su qu'autant de choses étaient impliquées dans ceci, dans ce trône, je ne l'aurais pas du tout accepté. Père, s'il te plaît, laisse que tu dis si j'avais ceci, si j'avais su. Va directement au point. Dis-nous ce que tu vas faire afin que nous ne mourions pas comme la mère. Si j'avais su, n'est pas la solution, ça devient trop. Ike, peux-tu permettre à papa de parler? Dis-lui d'aller directement au point. Dis-nous ce que tu vas faire. C'est quoi si j'avais su? C'est ça le remède? Si j'avais su, combien de fois? Ikechukwu, je m'attendais à ce que tu puisses être plus sage et plus intelligent que tu le démontres maintenant. Ce truc que vous voyez n'est pas ce que vous pensez que ça l'est. Ce truc est maléfique. Et nous devons tous demander à Dieu d'éloigner ça de notre chemin. Tu l'as entendu? Il a parlé, non? N'est-ce pas la même chose qu'il ne fait que répéter? N'est-ce pas la même chose encore, encore et encore? Ikechukwu, je n'accepterai plus aucune insulte de toi. Assez! Oh, papa, s'il te plaît, ne suis pas ces bébés blancs mal éduqués. Contrôle ta langue. S'il te plaît, continue, on t'écoute. Merci. J'appellerai un prêtre pour prier pour cette chose. Et pour détruire la puissance qu'il y a dans ça. Et ensuite, nous pourrons bien réfléchir sur comment enterrer votre mère. Ok, ça veut dire que... Tu as l'intention de retourner ou de brûler l'enfant. Ce qui veut dire que tu ne vas plus être le roi. C'est ce que ça veut dire? Ikechukwu, je m'inquiète pour ma famille plus que pour la royauté. Et par que tu plaisantes, père. Écoute, père, les autres maisons royales reçoivent des millions de la part du gouvernement fédéral. Et toi, mon père, tu es assis ici, cherchant à retourner le enfant. C'est ce que tu veux faire maintenant? Ikechukwu, ce que papa est en train de dire est, au lieu de faire ce sacrifice, il peut abandonner le trône. Je ne vois pas quelque chose de mal dans ça. Vous plaisantez, vous, les gars? Je ne suis pas d'accord avec ça. Papa, tu as cet argent. Pourquoi ne pas le remettre à Ono pour qu'il achète des histoires et enfin faire le sacrifice? Je veux dire, ceci existait bien avant notre existence. Alors pourquoi veux-tu le changer? Pourquoi veux-tu? Non. Mimi, tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris, papa. Tu ne l'as pas compris. C'est pas à propos du sacrifice. Il a dit que cette chose est dangereuse. N'avez-vous pas entendu ça? Oh ouais, le enfant est mauvais quand tu ne fais pas ce que tu es supposé faire. Ça se moque qu'il vient après toi. Il était censé faire quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi le enfant est devenu mauvais. Quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Ok, bien. Pouvons-nous alors nous poser cette question? Qu'est-ce qui est arrivé à notre défunt Igwe, Odike et à Femme son fils? Bien pour ton information, Afam est mort en essayant de se faire voir dans la course cycliste. Quand ton Igwe c'était à la suite de la crise cardiaque, fille, tu dis ce que tu connais. C'est ce que tu penses? Je dis ce dont je suis sûr. Ne fous pas ta bouche pour dire de conneries. Ikechukwu, mon fils. Ceci n'est pas qu'un simple sceptre.
ce n'est pas du tout ce que tu penses que c'est. Bien, tu dis ça, papa, parce que tu es un père faible. Un père courageux protège ses enfants, protège ses descendants et ne fuit pas ce qu'il est supposé faire. C'est ce qui fait de toi un père courageux. Ça se voit clairement que tu es fâché à cause d'argent que je n'avais pas reçu auprès de maman avant qu'elle ne puisse mourir. Peux-tu alors m'écouter? Moi, je ne peux pas rester ici et te regarder insulter papa. Il nous donne toujours tout ce dont nous lui demandons. Il le fait. Au cas où tu as oublié, fille, je suis l'aîné de cette famille et j'ai le droit de corriger mon père quand il va dans la mauvaise direction. Non, il n'a fait aucun mal, Ikechukwu. Il ne l'a pas fait. Et qui a dit qu'il n'a rien je fait Je l'ai déjà dit. Oh non, ma chère, tu ne peux pas parler à ton grand frère. Peux-tu voir l'impolitesse? Comment je peux lui parler? Il ne se comporte pas comme un grand frère? Papa. D'accord. Je vois. Tu as perdu le respect dans cette maison. Oh, s'il te plaît. Respect à tes supérieurs. Papa n'a rien fait. Le seul mal qu'il a fait, c'est de ne pas demander la royauté avant d'accepter le trône. Maintenant qu'il sait ce qu'il faut faire, pourquoi a-t-il refusé de le faire? Ne t'ont-ils pas dit ce que tu es censé faire? Assieds-toi, c'est comme ça que tu parles à ton père, le temps debout. Ne t'ont-ils pas dit ce que tu es supposé faire? Assieds-toi, tu parles à ton père, mets-toi. Qui sait que c'est toi la suivante sur la liste? Oh, s'il te plaît, tu vas être la suivante sur la liste à mourir. Je suis content, tu es assez brave pour faire ce qui est mieux afin de nous libérer et faire ce que ton père n'a pas pu faire. Merci. Maintenant, comment est-ce que nous allons procéder? Il faut que tu reviennes demain. Comme ça, on peut discuter sur comment on peut commencer. Ok. C'est pas grave. D'accord, merci. Il est vraiment même plus désespéré que son père. Tu aurais lui dire de revenir ici ce soir. Non, je dois être sûr de ce que je vais lui dire quand il va revenir. Ce que tu vas lui dire? Mais oui, alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais c'est toi le maître de tous ces plans que nous avons. Il faut que tu donnes une bonne idée. Ok. Bon, je suis sûr que j'aurai une idée avant la journée de demain. Alors dans ce cas, je crois que je vais m'en aller et revenir ici demain tôt le matin. D'accord. Très bien. Salut ta famille de ma part. Oui, merci. Ne tarde pas à nous trouver une bonne idée, d'accord? D'accord, ne te dérange surtout pas. Hey. Mais attends un peu. Mais qu'est-ce que je tiens vraiment à gagner de tout ça? Inkimba est clairement intéressé par le trône. Qu'en est-il de moi? Ne suis-je pas digne d'être le prochain roi du royaume Anoba? Non, je ne le permettrai pas. Tout ce qu'il voudra, je vais lui donner. Mais oui. Papa, s'il te plaît, viens te reposer à l'intérieur. Hey, je dois vraiment me changer les idées avant d'entrer à l'intérieur. Papa, y a-t-il quelque chose que tu nous caches? Hola. Papa. Hola, puis-je te croire pour te confier un secret?
Papa, tu me poses cette question, mais tu as toujours eu confiance en moi. Qu'est-ce qu'il y a? Hola, cette chose n'est pas le sceptre. Cette chose est le sceptre secret de l'ancien culte d'Imiri. Quoi? Exact. Et je ne ferai plus partie des sacrifices humains à nouveau. Papa, s'il te plaît, mets-toi. Papa, dis-moi la vérité. C'est juste pour le sacrifice d'une vache? Je ne prendrai pas la vie d'un autre homme au nom d'un sacrifice. Attends une minute. Ils t'ont demandé de sacrifier quelqu'un? Et l'un de mes enfants également. Quoi? Quoi? Papa. Papa. J'aimerais que tu saches que tu es un bon homme. Et cette expression ne peut pas changer l'homme que tu es. Je préférerais mourir que de prendre part à ce maléfisme. Non, papa. Tu ne vas pas mourir. Dieu va combattre pour nous. Amen. Merci, ma fille. De rien. Ike, hein? Qu'est-ce qui te retient encore, dis-moi? Si ce deal ne t'intéresse pas, dis-le-moi. Comme ça, je le dirai à quelqu'un d'autre. J'ai des relations qui sont intéressées dans ce deal, mais j'ai voulu te les donner parce que je te préfère bien beaucoup. Bien sûr, mon frère, et j'apprécie le fait que tu m'aimes et c'est pourquoi tu as choisi de me le donner. Hein? Je ne fais que te supplier de patienter un peu, ne pas te précipiter. Tu sais que je viens de perdre ma mère et c'est maintenant que j'essaie de m'en remettre. Elle était censée me donner un montant d'argent avant sa mort. Sinon, cet argent, j'allais te le donner depuis et l'affaire aurait commencé, non? Hein? Ike, je ne crois pas que tu connais combien ce deal peut te rapporter. Vraiment, il y a beaucoup d'argent. Bien sûr, je le sais. L'argent qui peut changer notre vie. Je le sais, je sais au fond de moi que c'est une grosse somme d'argent. C'est un grand montant. Tout ce que je te demande, c'est un peu de patience. Je frappe à une porte. Dès que ça s'ouvre, je te donne l'argent, puis l'affaire commence. Hein? D'accord. C'est à toi maintenant de saisir cette opportunité-là maintenant. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux avoir quelque chose de plus de valeur que tu pourras vendre? Comme ça, dès qu'on aura cet argent, tu pourras l'acheter même fois 10. Ah, c'est pas que... Non, je travaille déjà sur un plan et je sais que ça va réussir. Donc, il n'est plus nécessaire de chercher à vendre quelque chose. Ok, t'inquiète, tu auras l'argent. D'accord? Buvons. C'est l'argent dont on parle ici. De l'argent. T'inquiète, tu verras l'alerte.
Dis-moi que cette nouvelle est fausse. Maman est morte. J'ai cru que c'était juste une petite maladie. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la faute au père. Il n'a pas fait ce qu'il était supposé faire. Ce qui a conduit à la mort de ma mère. Bébé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il lui a été demandé de faire quelques sacrifices au Dieu. Mais il a refusé. Maintenant, ma mère n'est plus. Même l'argent que je devrais obtenir d'elle, j'ai pas pu. Et ton père, ne t'a-t-il pas donné quelque chose? Il est là-bas parlant de retourner le enfant. Es-tu sérieux? Écoute, ça c'est une grande opportunité pour toi pour que tu deviennes un milliardaire. Tu ne peux pas le faire passer. Non, pas question. Bien sûr, penses-tu que je vais dormir là-dessus? J'irai chez Ekemba demain. Je lui dirai que je suis prêt à faire le sacrifice. Je dois faire ce qui est nécessaire. Cela remplira tes poches d'argent. Hein? J'ai appris qu'il a une grosse somme d'argent qui vient du gouvernement fédéral la semaine prochaine. Et si mon père retourne le enfant comme il le dit, ça veut dire qu'il ne va plus être le roi. Et ce qui veut dire simplement qu'il ne participera pas au partage de l'argent. Et il est question de 100 millions de naira ici. 100 millions. Je ne veux pas abandonner. 100 millions de naira. Exactement. Tu ne peux pas les rater pour une raison. Bien sûr. Tu ne peux pas le faire passer. C'est ça. S'il te plaît, agis vite. Tu dois les saisir. Je me connais très bien. Je ne peux pas croiser les bras et laisser cette opportunité m'échapper. Je te connais bien. Tu ne dois pas le manquer. Non. Ouais, Junior. Junior est en haut. Il dort. D'accord. Je peux te trouver un truc à mettre sous la dent. Non, t'inquiète. J'ai pas faim. Ouais. Comme je l'ai dit, je dois vite aller chez Ekemba pour que je sache vraiment ce que je dois faire. Ah, mon prince. Onohou. Sois le bienvenu. Merci. Est-ce que Ekemba est là? Non, il vient à peine de partir. Oh. Mais tu peux te mettre pour l'attendre, il va bientôt revenir. D'accord. Assieds-toi. Merci. Alors, beaucoup. Comment était le voyage? Ah, c'était bien. Ah, c'est bien. Ok, je vais te trouver quelque chose. Ok. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Ça va? J'ai fait un cauchemar. Un mauvais rêve. Ouais. Comment étaient les rêves en question? Quelqu'un voulait me tuer. Que Dieu te pargne. Sois mon unique mari. Ils ne réussiront pas à te tuer au nom de Jésus. Personne ne te fera du mal au nom de Jésus. Es-tu sérieux? Ouais. Ça va aller. Ça va aller, mon amour. Personne ne peut t'ôter la vie. Viens, on va dans la chambre. Lève-toi, non? Viens avec moi dans la chambre, s'il te plaît. Lève-toi.
Bébé, lève-toi. Tu ne dors toujours pas? Non, je n'arrive pas à dormir. Papa, j'ai vu maman dans mon rêve. Elle parlait à propos de ce sceptre. C'est très méchant. Elle a dit que tu dois le cacher pour Ike. Sinon, ça va le ruiner. Je sais. Je ne lui permettrai pas de le toucher. Je sais quoi faire de ce sceptre. Papa, s'il te plaît, tu dois aller au lit. Je sais bien, chérie. J'irai très bientôt. Mais je t'en prie, chérie, va vite au lit, ok? Il se fait tard, d'accord? J'irai très bien, voyons. Bonne nuit, papa. Oh, merci, chérie. Je peux voir que tu es vraiment un homme brave. Et tu es venu très tôt. Je suis prêt. Est-ce que tu as le sceptre? Non. Mon père l'a. Tu aurais dû venir avec ça. Mais tu ne m'as pas dit de l'apporter? Bon, j'avais juste oublié. Mais tu dois venir avec ça. Ok, je vais aller l'apporter alors. Et quand tu viendras avec ça, tu dois amener une somme d'argent pour acheter quelques éléments pour le sacrifice. Mais j'ai acheté deux bœufs déjà. Deux tu bœufs as dit... bien gros, blancs et noirs. Deux voitures? Ouais. Tu veux dire que t'es pas informé? C'est bon, ok. Amène d'abord le sceptre. Et après je te dirai ce que tu dois savoir. Ok, je peux m'y ajouter une chèvre si tu veux. Oh oui, ne te dérange pas. Et amène d'abord le sceptre. Ok. Pourquoi tu n'es pas venu chez nous, la famille de ta femme, pour poser des questions avant de prendre le trône? Mazé, je n'ai pas besoin de répondre à une quelconque question maintenant. Je n'ai pas besoin de répondre à une question. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que quelqu'un me réconforte pour la mort de ma femme. Je crois que Dieu va absolument arranger toutes choses. Bien. Alors tu dois retourner le enfant au prêtre en chef. Mais le prêtre lui-même ne veut même pas récupérer le sceptre. Ah. Alors, je vois un danger. Je dois parler à mes collègues anciens pour voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Parce que je ne voudrais pas qu'ils te tuent comme ils ont tué notre sœur. Mazé, personne ne peut me tuer. Personne, absolument personne ne peut me tuer, excepté Dieu. N'est-ce pas Ikechukwu? Hein? Ou bien ne m'a-t-il pas vu? Mazé,
Je sais très bien que je ne prends pas de whisky. Alors je vais demander à quelqu'un de te trouver quelque chose de très bon à boire. Oku ? Oku ? Je ne veux même pas boire. Pourquoi Ikechukwu ne m'a pas salué ? Bien sûr, il est devenu trop petit. Take life easy. No hurry in life. Take life easy. No hurry in life. You are faster than your shadow. That's the way to destruction. You don't know about tomorrow. Just take life easy. No hurry in life. No rushing in life. 'Cause you don't know about tomorrow. You don't know about tomorrow. Oh. Big family, let's stick together. No matter the cause, no matter the weather, united we'll stand, divided we'll fall. Oh, let's live in peace and harmony. Père, je veux te parler. Que veut dire cette question? Qu'insinues-tu? Ça fait de l'argent qu'on a causé ton habit? Que veut dire ne m'as-tu pas vu? En tant que quoi? Que le tonnerre foudroie ta bouche. Je parlais à toi? Père, s'il te plaît, viens. On va parler. On va avoir un peu d'entretien, s'il te plaît. Vas-y, on n'a pas besoin de toi ici. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, non. Tu viens te juger ici pour boire. Tu ne peux même pas l'acheter. S'il n'y a pas à boire, tu ne viendrais pas. S'il te plaît, où est le enfant? C'est de ça que je veux qu'on parle. Où est le enfant? Ikechukwu. Puisqu'il s'en est arrivé au point d'insulter mes invités. Je ne suis pas là pour ça, ou. Je ne suis pas là pour ça. S'il te plaît, dis-moi où est le enfant. C'est de ça que je veux qu'on parle. Et qui veut le savoir? Puisque tu as décidé de ne pas faire ce que tu es supposé faire, j'ai décidé de le faire. Je ne veux pas croiser les bras et mourir comme la mère. Ok? Alors je te parle, j'ai déjà acheté 2 bœufs pour ça. Alors gentiment, dis-moi là où se trouve le enfant afin que j'aille faire ce qui est nécessaire. Tu fuis toujours ta responsabilité. Ce que tu es censé faire en tant que roi, tu ne le ferais pas. Et tu te fais appeler roi. Ikechukwu, si quelqu'un te dit que le sacrifice concerne des vaches, eh bien cette personne demande délibérément. Ne t'inquiète pas de ce qu'on m'a dit. Ok, ça ne te concerne pas. Donne-moi juste le enfant, s'il te plaît. S'il te plaît, gentiment, donne-moi le enfant. Eh bien, sache que je ne te donnerai aucun sceptre. Si tu veux, comme tu as dit, faire le sacrifice, va te trouver ton propre sceptre et fais-le. C'est simple. Ah, tu penses que je plaisante, n'est-ce pas? Non, tu penses que je blague. Si je n'obtiens pas cet enfant, je vais mettre cette maison en feu. Allez, vas-y. Fouille la maison entière, Ikechukwu. Vas-y, fouille la maison. Père, ne me pousse pas. Ne me pousse pas. Gentiment, donne-moi le enfant. Donne-moi juste le enfant. Je te le dis, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu oses ta voix, papa? Je ne m'adressais pas à toi. Mais si tu veux le savoir, dis à cet homme de me donner le enfant. Je ne veux pas mourir comme la mère. Je ne te donnerai aucun sceptre. Et je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Donne-moi le enfant. As-tu perdu tes sens? C'est ça?
Vas-y, essaie ça une prochaine fois et tu verras ce que je te ferai, fiston. Tu m'as giflé? Tu vas le regretter. C'est bien fait pour toi. Tu te crois être déçu, hein? Hein? Bien. Si tu veux savoir, papa a enlevé le sceptre dans cette maison. Tu sais là où il l'a emmené? Pourquoi ne pas aller lui demander et recevoir une autre gifle? Je vois que tout le monde veut être sans abri. Tout le monde veut être sans abri, n'est-ce pas? D'accord. Je vais brûler cette maison. Si je n'obtiens pas le enfant, je mettrai cette maison en feu. Où se trouve le sceptre? Mon père a refusé de me donner le enfant. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ton père? Il ne veut pas faire le sacrifice, mais il continue à garder le sceptre. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais peut-on pas faire le sacrifice sans le enfant? Bah, non, mais c'est pas possible, oh. Hein? C'est pas possible, oh. Tu dois venir avec le sceptre. Tu n'as que 6 jours pour l'amener. Sinon, toi et tes soeurs, vous allez mourir. Ah. Alors tu dois l'amener parce que c'est toi le premier fils. Si seulement ces idiotes comprennent ce pourquoi je suis en train de lutter, moi je ne veux pas mourir, oh. Je ne veux pas mourir. Je vais aller le persuader davantage. Alors si tu ne veux pas mourir, amène le sceptre, non? Il est parti. Oui, il est parti. Ikemba, je pense que Omen Boudje a de nouveaux ennemis. C'est lui qui est ennemi du roi. Est toujours l'un des membres dans son royaume. Mais nous sommes déjà à un pas d'accomplir notre but. S'il te plaît, Ikemba, hein? Apporte-moi à boire, s'il te plaît. Tu auras assez à boire parce qu'on est dans la même affaire. Il y en a beaucoup, ne te dérange pas. Mbaya noya kemo, eki oya eemo. Ezemo. Il y a un grand problème. Ok, je suis prêt à faire le sacrifice, mais mon père a emporté le enfant. N'est-ce pas toi qui es envoyé à l'étranger pour continuer les études? C'est moi, je suis Ikechukwu. Alors tu n'as vraiment aucun respect? Tu ne vois pas que je suis en communication avec les dieux? Je suis désolé, mais je ne veux pas mourir, ok? Je ne veux pas mourir, je veux faire ce qui est juste. Ta! Laisse-moi d'abord finir avec les dieux. Et je reviendrai vers toi. Écoute, attends d'abord, finissons avant que tu ne continues. Ta! Laisse-moi finir avec les dieux, tu n'écoutes pas? Ha! D'accord, je vais attendre. Finis vite. On m'a tué le gâchin de Wao. A cause la con Wao. Ogogo. Enlever le fort du palais? Pourquoi? Alice. Oya gâchama. Alors, c'était encore quoi ton problème? C'est au sujet du fort. Parce que maintenant, je suis prêt à faire le sacrifice. Mais je dois savoir si mon père a apporté le fort chez toi. Il t'a dit qu'il l'a amené chez moi? Non, il ne me l'a pas dit, mais il a enlevé l'enfant du palais. Il ne peut l'amener nulle part si ce n'est que chez toi. Par hasard, est-ce qu'il t'a dit que c'était moi qui le lui avais donné en premier? Ah, pourquoi tu me poses cette question? N'es-tu pas le prêtre en chef? Si tu me poses encore une autre question, je vais jeter un mauvais sort sur toi. Viens. Tu as compris? Viens, ne me provoque pas. Donc, parce que je te respecte, alors tu es en train de soulever tes épaules. Pourquoi tu parles si stupidement? Es-tu normal? Connais-tu à qui tu parles? Sais-tu que je suis le roi en puissance d'Anokpa? Je t'enfermerai et personne ne bronchera. Est-ce que mon père a apporté le enfant ici? S'il te plaît, réponds-moi directement afin que je sache quoi faire. Si cette salive sèche et que tu es toujours là, je vais te faire une chose que tu vas regretter de toute ta vie. Tu es très stupide d'avoir dit ça. Mon frère, va à l'intérieur et apporte-moi le enfant. Sais-tu ce qui est en danger? Sais-tu ce qui est en danger?
As-tu jamais touché de l'argent? Tu veux me tenter? Toi, tu es petit. Va apporter le enfant et arrête de me perdre le temps. Je dis que mon père a apporté le enfant ici et tu utiliserais ces choses-là pour m'intimider. Quelque chose que j'aurais fait depuis. Toi, tu me perds le temps. Toi, l'homme, si tu me défiais, quel est juste ton problème? Lève-toi et va m'apporter le enfant. Pourquoi tu soulèves tes épaules comme ça? Tu veux que j'aie peur de toi ou quoi? C'est quoi ça? Ne me pousse pas te gifler, oh. Mon frère entre là-bas et apporte le enfant. Vous les gars, vous amusez quoi? Un garçon vraiment très têtu. Toi, tu vas continuer à balayer comme ça de toute ta vie. Eze o malinka. Mon prince. Hey, mon prince. Ah, c'est merveilleux. Où l'as-tu trouvé? Toi, tu ne sais pas. Chez Amachi Dima. Je sais que c'est une spécialiste. Mais qu'est-ce qui retient ce garçon? Est-ce que tu es sûr qu'il va encore venir ici? Il va venir car il a peur de mourir. Il va venir. Tu sais, il avait perdu de l'argent. Oui. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Ono, faut venir avec moi. Il y a un problème. Gloire à Dieu, je t'ai vu ici. Le prince est devenu fou. Il réagit très bizarrement. Il est en train de balayer toute l'avenue au moment où je te parle, Ono. Mais qu'est-ce qu'il dit comme ça? Balayer? Où est-il? Il balaye l'avenue qui mène à Iba au moment où je vous parle. Est-ce que le gouvernement a signé avec lui le contrat de balayer l'avenue? En tout cas, moi je ne sais pas, il faut venir avec moi. Allons-y. Oui, allons-y. Le gouvernement lui a donné le contrat de balayer toute l'avenue. C'est une blague ou quoi? Où est-il? Oh non, il était ici. Ah. Es-tu sûr que tu as vraiment vu le prince? Oh non, j'ai vu le prince avec mes deux yeux. Regarde un peu, tu vois pas que l'avenue est balayée? Oui, je vois très bien que c'est balayé, mais lui-même, il est où maintenant? Il ne faut pas faire ce genre de blagues. Je l'ai vu, je ne l'ai pas vu, mais lui-même, il est où maintenant? Où est-il? Oh non, je suis sûr que mon prince avait balayé cette avenue et il continue de balayer toute cette avenue. C'est une imagination. Oh non, j'ai vu le prince avec mes yeux, je ne peux pas te mentir, non? Ok, allons chercher là-bas. Peut-être qu'il est là-bas. Donc c'est vrai qu'il est en train de balayer toute l'avenue, mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec le prince? Hey! Hey! Ike? Mon prince, c'est Choco. Quoi? Oh non, il devient fou!
C'est Ezemo qui lui a fait ça. Hein? Surveille-le. Hey. Par derrière. Surveille-le seulement. Je reviens. Mon prince. Mon prince, je t'appelle. Tu veux pas écouter? Mon prince, qu'est-ce qui ne va pas? Hey, mon prince. Ezemo, s'il te plaît. Il faut que tu lui pardonnes. Même pour sa défense, mais... S'il te plaît. Pardonne-lui, s'il te plaît. Écoute-moi. Ce garçon va balayer pendant 3 jours. 3 jours entiers. Et il reviendra ici avec une amende pour m'apaiser. Oui, je vais me rassurer qu'il amène la vache aujourd'hui. Pardonne-lui, s'il te plaît. Oh non. Tu devrais me laisser enseigner à ces petits leçons de la vie. Ah ah. Laissez-moi. Il a déjà compris la leçon. S'il te plaît, pardonne-lui. D'accord alors. C'est pas grave. Il est où maintenant? Il est quelque part ici. Il est de ce côté. S'il te plaît, allons-y. Allons-y. Regarde un peu ce que tu fais, mais arrête ça, non, mon prince. Mais tu ne me vois pas où, comment, hein? Mais je te parle, non? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mon prince? Mon prince, c'est bien moi qui te parle, non? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mon prince? On est où? Tu es où, toi aussi? Mais mon prince, arrête ça, non, mon prince? Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça, mon prince? Jusqu'à quand? On est où? Aide-moi, s'il te plaît, aide-le. Aide-moi. S'il te plaît, aide-le. Mon prince, Ezemo est là pour toi. Mon prince. Mon prince. Qu'est-ce qui s'est passé? Prochainement, il faut apprendre comment parler aux aînés. Merci, Ezemo. Mon prêtre. Il ne va pas oublier. Je vais personnellement venir dans ta maison avec une vache. Mon prince. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais insulter Ezemo. Alors, nous allons dans sa maison pour nous excuser. Mon prince, tu es en train de balayer toute l'avenue. Oui. Je t'ai parlé plusieurs fois d'arrêter de balayer, mais tu ne m'écoutais pas. Ezemo, Ezemo qui t'a sauvé. Ouais. Allons-y. Je vais te faire ma voiture. Je vais te faire ma voiture. Tu parles de ta voiture. Tu as déjà oublié ce que je viens de dire? Tu as laissé ta voiture dans la maison des Ezemo. Je suis désolé. S'il vous plaît, partons. Mais tu vas où comme ça? Mon prince, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Disparais de ma vue. Garde. Ma princesse? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le pire était arrivé. Il était en train de balayer tout. Je t'ai demandé de disparaître. Es-tu malade? Désolé, mon prince. Ike. Papa m'a tout raconté à propos de ce sceptre. Et je te conseille, en ce moment, que nous puissions nous unir comme une seule personne pour soutenir papa. Parce que tout ce que les gens te racontent sont des mensonges. Ils sont en train de te mentir. Quand j'aurai fini ce que je veux faire, tu me remercieras d'avoir sauvé notre famille. Oh non. C'est seul Dieu qui va nous sauver. S'il te plaît, c'est assez ce sermon. Laisse-moi tranquille, espèce de faible. Du père aux filles, espèce de faible. C'est ce que vous êtes. Ike, tu ferais mieux de réfléchir. Puis-je être seul, s'il te plaît? Bien. J'ai choisi de ne pas faire partie de ça. Je serai plutôt fort et résistant et je me battrai pour obtenir ce que je veux. Vous ne pouvez pas me faire échouer. Bande de faibles! Tu sais là où mon père a gardé l'orphan, n'est-ce pas?
Mon prince, je ne sais vraiment rien du tout. Ne me mens pas. Je vous dis la vérité, mon prince. Je ne sais pas où il a mené cela, mon prince. Comment peux-tu me dire que tu ne sais pas là où ils l'ont mené? C'est toi qui conduis mon père partout. Tu connais bien ses mouvements. Comment peux-tu te tenir devant moi pour me dire que tu ne sais pas là où il a gardé le haut-fort? As-tu perdu la tête? Dis-moi gentiment là où il a gardé le haut-fort, c'est très simple. Mon prince, si je savais, je vous l'aurais déjà dit. Je ne suis même pas au courant qu'il a mené cela en dehors de ce palais. C'est la vérité, mon prince. Tu vois, tu n'es pas au courant. Va chez Ezemo et prends ma voiture. Très bien, mon prince. Mais en allant, passe chez Onohu et dis-lui de remettre les bœufs à Ezemo tel que nous l'avons conclu. Très bien, mon prince. Es-tu prêt à me dire la vérité maintenant? Mon prince, je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Tu m'as dit ce que tu voulais me dire. Maintenant, je veux que tu me dises ce que je dois entendre. Mon prince, je ne sais pas du tout où ils l'ont amené. Pour la dernière fois, où est-ce qu'il a emmené le haut-fort? Mon prince, s'il vous plaît. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Et j'ai juré de garder les histoires du palais secrètes, mon prince. S'il vous plaît, je ne veux pas mourir. S'il vous plaît. Je dois maintenant te forcer. Hé, hey, mon prince! Ah, mon prince, écoute, 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 non, mon prince. Maintenant, s'il vous plaît, voici ce que je vais te faire. Je vais tirer sur toi trois fois sur la poitrine. Oh, mon prince. Et je te laisserai saigner à mort. Donc, pour la dernière fois, où est-ce qu'il a gardé le haut-fort? Hey, mon prince, ne tirez pas, ne tirez pas. S'il vous plaît, ne tirez pas. Ne me perds pas le temps. Je vais vous dire, je vais vous dire. Il a amené au père aîné. Oui, c'est ça. Il a amené au révérend père aîné. Mon prince, s'il vous plaît, ne tirez pas. D'accord. Va à la maison. Si quelqu'un apprend ça, je viendrai à la maison et te jure de tuer. Hey!
Ike Tchoukou. Gloire à Dieu, tu es là. Je voulais vraiment t'appeler aujourd'hui, mais gloire à Dieu, tu es là. Allons dans mon bureau, comme ça on va discuter. Non, non, père, ce n'est pas nécessaire. Allons plutôt dans ma voiture pour parler. Je pense que c'est mieux que d'aller dans votre bureau. Pourquoi aller dans ta voiture? On ne peut pas parler ici. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est une discussion très sérieuse. Alors nous devons monter dans la voiture. Et d'ailleurs, je dois aller quelque part. Ike Tchoukou, écoute-moi. Ton père m'a raconté toute l'histoire. Et à ce moment de critique, on a besoin de prières. Des prières sérieuses. Alors on peut discuter ici. Ou on peut le faire dans mon bureau. Non, père, je ne veux pas qu'on crée de scandale ici. Je sais pourquoi je vous dis qu'on monte dans ma voiture pour pouvoir parler. Ike Tchoukou, je n'arrive juste pas à comprendre exactement ce que tu veux dire. Je ne sais pas, tu dis qu'on veut aller discuter dans ta voiture. Saint-Esprit, Ike Tchoukou. Ike Tchoukou. Montez dans ma voiture maintenant. Ok. Mets ton arme à côté. Et on va discuter dans ta voiture, Ike Tchoukou. Je jure, ma fille, si je répète encore ça, je ferai quelque chose que vous allez regretter. Elle ne peut pas se permettre de se comporter ainsi. Père, montez dans ma voiture. Ah, Ike Tchoukou. Calmement. Montez dans la voiture maintenant. Ike Tchoukou. Parfait. Où est le enfant? Ike Tchoukou, tu ne réalises pas la gravité de tout ce que tu essayes de ramener dans la maison de ton propre père. Écoute, ce n'est pas du tout ce à quoi tu penses. Si je conduis hors de cet endroit, je vais tirer sur vous. Je vais tirer directement sur ton crâne, jeter ton corps et personne ne branchera. Ne me poussez pas, père aîné. Pour la dernière fois, où est le enfant? Ike, je n'ai pas du tout peur de cette arme. Mais j'ai juste peur de la calamité qui va te conduire bientôt à la mort. C'est seulement de ça que j'ai peur. Ça fait en réalité fait partie de mes loisirs. Se plonger dans l'océan. C'est quelque part dans la brousse. Amenez-moi là-bas. Tu vas toujours conduire avec ton arme à main? Hé, viens, approche. Où est mon frère? Je ne sais pas. Que veux-tu dire par tu ne sais pas? Je l'ai entendu causer avec toi. Il t'a dit que tu devais aller chez Ono récupérer la voiture. Qu'est-ce qu'il t'a encore demandé de faire? Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il m'a demandé de faire pour lui. Alors, de quelle manière lui as-tu remis la voiture? Je l'ai croisé en chemin. Il m'a ravi la voiture et m'a demandé de rentrer à la maison. Alors pourquoi tu as la sueur comme ça? Je courais jusqu'ici. Assez tard de la journée? Tu peux partir. Merci, ma princesse.
c'est là-bas. Ikechukwu. Les gens qui possédaient ce sceptre ont trouvé un moyen pour s'en débarrasser. Et te voilà maintenant à la recherche de ce sceptre. On ne me dit pas ce que je dois faire. Allez le prendre. Ikechukwu, est-ce que tu es sûr? Vous allez le faire ou bien vous n'allez pas le faire? Lequel? Je vais le chercher. Ikechukwu, ta vie est maintenant en danger. Juste comme la vôtre va être ruinée. Mais tu l'as déjà. Tu l'as déjà, s'il te plaît. Tu as déjà le sceptre, Ikechukwu. J'ai un travail très propre pour toi. Passe me voir. Papa. Comment tu vas, garçon? Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Où est ta mère? Maman est là-bas dans la cuisine. Je suis juste derrière toi. Oh. Bienvenue, chérie. Comment tu vas? Je veux bien, merci. Oh, ouais. Comment ça a été? Je l'ai eu. Es-tu sérieux? Oh. Cela veut dire que je serai bientôt la reine du royaume d'Abokba. Tu peux répéter ça. Ces imbéciles pensaient qu'ils pouvaient me tromper. Ils ne peuvent rien. J'ai confiance en mon homme. Dis-moi, qu'est-ce qui vient après? Je vais l'emporter à Onowu afin qu'il commence le processus. Ok. Chérie, il n'y a pas de temps à perdre. Bien sûr. Tu dois obtenir l'argent au gouvernement fédéral pour que nous puissions finir avec les deals. Bien sûr, avec ça, tout est possible. Je te fais confiance. Je te fais confiance. J'arrive, j'y suis. La casserole qui est sur okay. Les réseaux, j'arrive. Papa, ouais. Cette histoire. Ce que tu vois là, on l'appelle enfant. Ouais. C'est un ancien sceptre de notre royaume. Mais je ne l'apprécie pas. Bien sûr, à ton âge, t'as pas besoin de l'aimer. Quand ce sera ton tour de devenir roi, c'est ce dont tu auras besoin. Je ne veux pas être un roi. Tu ne veux pas être un roi? Non. Bien sûr, tu es déjà un roi. Rien ne peut le changer. Un roi. Tu es de la lignée royale. Tu es un prince. Tais-toi. Hey. Donc, c'est comme ça que moi, je veux mourir comme ça. Hey. Donc, c'est comme ça que je veux mourir, vraiment. Mais qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que je fais moi? Hey! Donc moi là, je suis mort. Moi là, je suis mort. Mais pourquoi je dois mourir comme ça? Hey! Je suis mort. Comme vous me voyez là, je suis mort. Aïe! Donc je suis mort. Bien, bien. Ibe!
Mec, tu n'as pas cessé de pleurer depuis que tu es venu de je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un est mort dans ton village? Dis-moi, c'est quoi? Tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille et laisse-moi pleurer sous ma stupidité. S'il te plaît, laisse-moi. Hey! Donc tu as finalement accepté que tu es vraiment stupide. Que Dieu soit loué. Oh. Tu sais que je t'ai toujours dit que tu es une personne vraiment très stupide, mais tu as toujours douté. Donc finalement, tu as compris que tu es vraiment une personne très stupide. Dieu te bénisse, oh, pour avoir accepté ça. Hein? Écoute-moi, je veux juste que tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Va loin. Donc c'est comme ça qu'on meurt. Qui meurt? Si cette chose est vraiment sérieuse, alors parle-moi en, comme ça je vais pleurer avec toi. C'est comme ça que je vais mourir. Je ne veux pas pourquoi tu pleures comme un bébé. Je me suis mis dans les problèmes. Qu'est-ce que les rois vont vraiment me faire moi, hein? Ok. Qu'est-ce que je vais faire comme ça moi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Hey, le stupide! Stupide! Il y a Ola qui t'appelle. Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Et toi, m'as-tu dit quelque chose? Vas-y, dis-moi, est-ce que tu m'as dit quelque chose? C'est quoi ce truc-là? Lui as-tu dit quelque chose? Je lui ai juste dit ce que tu m'as dit, que tu es vraiment une personne très stupide alors. C'était la seule chose que j'ai été capable de lui raconter. Donc, va la voir. En fait, tu es stupide. Je veux dire, tu es vraiment stupide. Non, hein? non, tu mon cher, tu l'avais déjà dit toi-même. Tu m'as déjà dit que tu es une personne vraiment très stupide. Alors ne me remets pas cela, ok? Hein? Alors va juste la voir stupidement. Ne la laisse pas te voir ici, oh. Bouge, ne la laisse pas te voir ici. Sinon, ça va faire un wéling pour toi, mon cher. Bouge! Mais, pourquoi elle me cherche même? Tu vas aller la voir. Oui, bien sûr. Père aîné a été tué aujourd'hui. Je pense que tu sais c'est lui qui l'a tiré de balle. Chai! Chai! Ma princesse! Oh. Hey. Ma princesse! Ma princesse, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, il voulait me tirer dessus. Je suis très déçu de toi. Tu as trahi mon père, ton seul maître. Je suis désolé, ma princesse. Il voulait me tirer dessus. Il voulait vraiment me tuer, ma princesse. Papa n'aura plus jamais confiance en toi. Je suis désolé, ma princesse. S'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, ma princesse. Emballe tes effets. Et va-t'en d'ici. Hey, ma princesse. Je suis désolé. Je suis désolé, ma princesse. Je ne veux plus te revoir à mon retour d'ici. Hey, ma princesse. S'il vous plaît. Désolé. Désolé, ma... Hey, ma princesse, princesse, je suis désolé. Oh, hey, ma princesse, ma femme vient d'avoir un enfant. Mais c'est quoi ça comme ça? Hey, je suis désolé, ma princesse, s'il vous plaît, ma princesse. Hey, mais c'est quoi ça? Oh Jésus, c'est comme ça que je perds mon travail? C'est comme ça? C'est comme ça que je perds mon travail comme ça? Ma princesse. Tu as dit qu'il lui est arrivé quoi? Il a été tiré par quelqu'un dans la forêt. Ce quelqu'un, c'est ton frère. Honnêtement, papa, je suis très déçu de son niveau de réfléchir. Et il est où le chauffeur? Oh bien, je l'ai chassé. Oh, tu n'aurais pas dû faire cela. Tu n'aurais pas dû. Cela va lui causer un dommage émotionnel. Papa, je n'accepterai pas d'avoir quelqu'un comme lui auprès de nous. Ça, c'est notre temps.
Voilà où. Mon prince. Je me demande, puisque j'ai pourvu tous les articles nécessaires, je veux dire, j'ai fait ce que mon père n'a pas pu faire. N'est-ce pas le moment que vous, les gars, vous me couronniez le Igwe? Hein? Oui, c'est vrai. Mais nous allons en parler dans les conseils des anciens. Si tu veux faire quelque chose, fais-le immédiatement. Fais-moi confiance pour ça. Et en passant, quelle était la réaction de ton père quand il a réalisé que c'est toi qui avais ce sceptre? Bien, tu connais déjà mon père, c'est un homme très têtu. Il a refusé de se soumettre. Mais je suis sûr qu'il va définitivement le regretter. Je suis content parce que tu es assez brave pour t'élever pour la vérité. Les dieux de nos terres ne vont jamais te tourner le dos. Merci. Je vais partir. Tu sais, je dois me loger dans un hôtel le plus proche pour me reposer parce que la mission est sur le point d'accomplissement. Oui, tu en as besoin, mon prince. Il faut vraiment bien t'amuser. Montrer futur roi. Oui. Ça m'a plu ce que tu as dit. Bientôt, je serai appelé Igwe Ikechukwu Okwakponono Akadiofo Premier d'Anokpa. J'aime beaucoup ce titre. Akadiofo Okwakponono Premier du royaume Anokpa. Ainsi soit-il. Oui, mon prince. Tu as le cœur d'un lion. Je dois m'en aller. Mon prince, assure-toi de me voir avant de partir. Merci, je le ferai. D'accord. Et maintenant, la mort ne va pas s'arrêter. Bientôt, toute personne dans la maison de Ome Mbuji sera ravie par la mort. Et maintenant, la bataille de la royauté sera alors entre moi et Inkemba. Et là, je vais tout bien planifier. Mais oui, je vais bien planifier. Je sais bien quoi faire. Oui. Cette nuit, tu vas la passer ici. Comme ça, tu vas communiquer avec les ancêtres. Comme ça, ils pourront t'accepter en tant que le nouveau roi du royaume d'Anokwa. Et quand c'est que nous devons faire? Et les rituels prendront fin. Tu vas nous dire quand tu veux être couronné comme roi du royaume Anokwa. Ikemba, ne penses-tu pas que nous aurions dû faire ça à la maison? À la maison? Mais quelle oui. maison? Dans n'importe quelle maison. Parce qu'il n'est pas en sécurité ici. Ah ah. Mais nous agissons selon ses attentes. Laisse-le s'en réjouir. Et si quelque chose lui arrivait cette nuit? Si quelque chose lui arrive, ça c'est son destin. Ah ah. Ikemba, ça signifie quoi ça? Ça veut dire que c'est ce qu'il attendait de nous. Et c'est ça que nous allons lui donner. Onohu. Je vais à la maison. Bonne nuit. Ah ah. Bon, ok. Félicitations. Tu es préparé pour un long voyage. Félicitations, mon prince.
merci. Merci d'avoir fait ce que mon père n'a pas pu faire pour moi. Oui. Il faut que tu nous amènes. Récup pour le sacrifice. Dans 2 jours seulement. Dans 2 jours. Va à la maison et prends ton repos. Ikemba, je me sens vraiment désolé pour ce jeune homme. Tu as donc vraiment pitié du fils de l'homme qui nous a pris le pouvoir de devenir roi. Il nous a vraiment ravi tous nos bénéfices que voulait nous donner le roi. Je n'ai aucune pitié de lui. C'est donc notre meilleure façon de nous venger. Doucement, allez. toi. Papa. Oui, papa, je vais bien. Tu m'as beaucoup manqué, papa. Comment tu vas? On y va. Entre. Vous savez, il y a quelque chose qui me dépasse. Pourquoi papa a laissé maman mourir? Ce qui est plus choquant est qu'il était au courant de ça depuis le début. Pourquoi n'a-t-il pas accepté de faire les sacrifices aussi longtemps il savait que s'il ne le fait pas, tout le monde mourra dans cette famille? J'ai béni Dieu d'avoir donné la force à mon mari de faire le nécessaire. Sinon, nous serions tous des candidats à la mort. Le mois prochain. Jamais de la vie. Ça n'arrivera jamais. Mais ma joie est que très bientôt, mon frère deviendra le roi de ce royaume. Et ce qui me rend plus heureuse, c'est que bientôt, je serai la prochaine reine des Onukpa. Je sais, ce sera vraiment merveilleux. Je t'assure. Désolée, je dois aller me rafraîchir. Oui. La reine Lodine. Ikechukwu, comme je t'ai dit l'autre fois que il y a des choses que tu dois savoir à propos du sceptre. Ce n'est pas juste un sceptre ordinaire. Bien sûr, je le sais. Je connais la gravité de ce que je vais faire et je sais aussi ce que ça va me profiter. Ok, donc les deux bœufs, les deux gros bœufs, le blanc et le noir sont déjà dans ta maison. Donc je pense que nous devons commencer. Hein? Si vous voulez, je peux ajouter un bélier blanc, comme je l'ai dit la fois dernière. Hein? Ikechukwu. Mazi Kemba. Lorsqu'on parle de sacrifice de sang, ça ne veut pas dire le sang d'un animal. Ce que Ikemba veut vraiment dire signifie qu'un homme innocent ou une fille vierge doit vraiment être sacrifié pour arrêter la mort dans la famille royale. Attends, j'ai pas compris. Pas ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire est très clair. Oui. Attendez. Êtes-vous en train de dire que je dois amener un être humain pour le sacrifice? C'est donc ça, exactement. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'aviez dit ça? Vous m'aviez parlé de sacrifice de sang et je vous ai acheté des bœufs. C'est quoi le sacrifice humain? Est-ce une plaisanterie? Le sang d'un être humain devrait être sacrifié. Un sacrifice humain? Il paraît que vous êtes en train de plaisanter. Quel est ce genre de pagaille? Est-ce que vous m'aviez parlé de sacrifice humain?
Vous me l'aviez dit, je te demande, Ikemba. Vous m'aviez juste parlé de sacrifice de sang et je vous ai acheté des bœufs. J'ai même promis d'y ajouter un bélier. C'est quoi encore le sacrifice humain? Tu ne peux plus faire marche arrière. Je te conseillerais d'aller à la maison et réfléchir sur ça. Arrête de me dire cette connerie. Pensez à quoi? Pensez au fait d'amener des gens humains pour un quelconque sacrifice? Êtes-vous aussi méchant et sensible? Où est-ce que vous voulez que j'aille trouver un être humain? Où? Ikechukwu, tout roi qui est passé par ce royaume l'a fait. Ils ne nous ont jamais dit où ils ont pris les sacrifices d'un être humain. Rappelle-toi de toutes les richesses qui découlent de ces sacrifices. Si tu veux le savoir, tu ne peux pas faire marche arrière. Oui, Ikemba a raison. On ne retourne pas. Tu es déjà arrivé trop loin. Alors, comme je dis, va à la maison et réfléchis-y. Je vais aller à la maison et y réfléchir. C'est difficile. Donc, il pense vraiment que être un roi est une tâche facile. Je ne comprends même pas. Je ne comprends pas du tout ces gens. Je ne sais pas ce qu'ils... Hey. Mon ami, quitte là-bas. Est-ce que ma voiture est un terrain d'amusement? Regarde-toi. C'est encore quoi ton stupide nom? Tu es très beau, je t'aime beaucoup. Tu dois être très malade d'avoir dit. Oh, tu es même malade. Pourquoi je dis encore ça? Mon ami, quitte là-bas. Veux-tu salir ma voiture? Mon ami, je ne suis pas ton ami. Je ne peux pas être ami à un stupide bel homme. Comme toi, avec un petit cerveau, un bel homme, avec un stupide cerveau. Ok, donne-moi l'argent. Si tu connaissais mon problème, tu quitterais ici. Donne-moi l'argent, je partirai. J'ai pas d'argent, va-t'en d'ici. Tu es inutile, un bel homme, avec un stupide cerveau. Tu es vraiment moins intelligent, hein? Tu es inutile. Écoute, des fois, hein, les chasseurs viennent par derrière pour le chasser lui-même. Tu es en train de te chasser. C'est ce que tu es en train de faire. Tu ne veux pas écouter, n'est-ce pas? Attends, j'arrive. Ne me chasse pas. Chasse-toi toi-même. C'est ce que tu es en train de faire présentement. Un bel homme avec un stupide cerveau. Ici, c'est ma maison. Ne me suis pas. Un bel homme avec un stupide cerveau. Tu vas te chasser toi-même. Un chasseur qui se chasse. Un bel homme avec un stupide cerveau. Oh non. Mon prince. J'ai quelques questions à te poser et je veux que tu sois honnête avec moi. Mon prince, n'est-ce pas que je le suis déjà avec toi? À quelques points. Tu es honnête à quelques points. Maintenant, je veux demander, hein, est-ce que mon père était au courant que ça allait impliquer le sang humain? Oui. Avant que Igwe ne donne le sceptre à ton père, il lui a dit. Et il a accepté. Et subitement, il a changé d'avis. Juste comme ça. Je vois. Donc, si je comprends bien, il savait que le sacrifice du sang humain serait inclus. Exactement. La deuxième question est celle-ci, hein? Est-ce que c'était le fort qui a tué ma mère? Oui. Oui, parce que ton père
a refusé de faire le sacrifice. Intéressant. Maintenant, où est-ce que je vais trouver l'être humain? Enfin, une bonne question. Je connais un homme qui connaît, qui peut avoir trois pour nous. Trois personnes? Mon prince, juste trois. As-tu perdu la tête? Trois personnes et tu dis juste. Es-tu un vampire? Appelle-le comme tu veux. Juste trois. Comme si c'était des arachides. Juste trois. Mon prince, il faut être courageux. Cela a déjà commencé. Et si tu ne peux pas le terminer, tu vas mourir. Oh. S'il te plaît, c'est assez cette bêtise que tu me dis. Arrête de me dire ce que j'ai déjà oublié, s'il te plaît. Je te préviens, arrête de me dire ça. Parce que vous l'avez causé, toi et Ikemba, vous avez causé ça. Parce que si vous me l'aviez dit dès le début, je n'allais pas m'impliquer dans tout ça. Pourquoi vous ne m'aviez pas dit que ça allait impliquer le sang humain? Hein? Disons que si je ne le fais pas, je mourrai où? N'importe quoi. Au lieu d'être direct avec moi, honnête avec moi dès le début, tourner autour du pot. Maintenant, vous venez me dire, fais ci, fais ça. Maintenant, combien trouver les trois personnes va coûter? Ah, voilà une bonne question. La fois passée, quand je l'ai fait pour Igwe et Otika, c'était à 7 millions de naira. 7 millions de naira? Mon prince, c'est à ce moment-là où il faut que je me renseigne encore. Ah, c'est comme ça. Que veut dire ça? C'était avant. Donc, le prix de l'être humain augmente? Ah. Tu parles comme si tu ne vivais pas dans ce pays. Hein? Combien coûtait un rein auparavant? 1,5 million. La fois passée, quand je suis allé à l'hôpital général de Aguachoko, ça coûtait déjà environ 8 millions. Ah. Oui. Donc, ça veut dire que le changement que nous vivons dans ce pays, l'être humain aussi est impliqué. Mon prince, c'est ça que nous voyons maintenant. Ah? Ike, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air très nerveux. J'aimerais entendre ces montants. Oh. Je n'ai pas assez d'argent. Tu sais que mes marchandises sont en train d'arriver. Et pourquoi as-tu besoin de cet argent? Ne me dis pas que tu vas dépenser toute cette somme d'argent juste pour l'enterrement de ta mère. Alors pourquoi as-tu besoin de cet argent? J'espère que ce n'est pas à ce gars, comment est-ce qu'on l'appelle déjà, Adon, à qui tu veux donner cette somme d'argent. Je t'avais bien dit d'être sûr que le business est fructueux avant de donner de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Tu veux vendre ta boulangerie? Non, je n'ai pas d'acheteur. Ike? Mais pourquoi bon sang est-ce qu'il se fâche? Je n'ai pas d'argent ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Ok. Itier. Comment tu vas? Bienvenue, monsieur. Ah, merci. Va dire au roi que je suis là. Pas besoin, Itier. Pas besoin. Suivez-moi. Suivez-moi simplement. Oui, justement, oui. Est-ce qu'on peut continuer cette conversation dans un moment, s'il te plaît? Oui, j'ai quelque chose de très urgent à faire maintenant. Mazi, bienvenue. Mboji, comment est-ce que tu m'as fait ça? Quand tu sais que j'ai beaucoup de bouches à nourrir dans ma famille. Mais de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que je t'ai fait au juste?
Comment pouvais-tu vendre la boulangerie quand tu sais que c'est de la seule source où je trouve de l'argent pour nourrir ma maison? Mais de quoi est-ce que tu parles? Vendu quelle boulangerie? Mazi, arrête avec ce que tu dis, je n'ai pas vendu de boulangerie. Et d'ailleurs, qui t'a dit que j'ai vendu la boulangerie? J'étais allé au travail ce matin. Et j'ai vu tous les ouvriers dehors. Et j'ai demandé, pourquoi vous êtes tous dehors? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ils m'ont dit, la boulangerie a été vendue. Et ils ont été tous renvoyés. Tu n'es pas sérieux. Ike est allé trop loin. C'est vrai. Oh mon Dieu. Hola. Je veux que tu me confirmes ceci. Est-ce que la boulangerie a été vendue par ton frère? Est-il? Ike et Chukwu? Ike et Chukwu? Ike et Chukwu? Ike et Chukwu? Ah ah. Où est-il? Où est-il? Où est qui? Ike et Chukwu, où est-il? Je ne sais pas. Où est-ce qu'il est parti? Comment suis-je censé le savoir? Dis-lui, il a 3 heures pour rembourser l'argent qu'il a eu en vendant cette chose-là. 3 heures! Oh là! Pour qui tu te prends dans cette famille? Pour qui tu te prends? Qui es-tu pour venir demander de l'argent? Tu sais quoi? Je n'ai pas le temps de perdre pour une personne confuse comme toi. Et tu sais quoi? Vous serez tous bloqués ici aujourd'hui. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux absolument rien. Prends ton sac, on y va. Partir, n'est-ce pas? Venez partir. Ne me cherche pas. Vous allez voir aujourd'hui. Je vous enferme. Je suis dehors pour vous voir aujourd'hui. Et voir ce que vous allez faire aujourd'hui. Je suis ici. Vous allez me sentir. Hola! 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 Hola, tu as intérêt à ouvrir cette porte. Ouvre le portail! Hola! Hola! Oh mon Dieu! Hola! Hola! Ike Chukwu, comment pouvais-tu? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Que veut dire cette foutaise? Pourquoi tu me bloques le passage? Pourquoi tu as vendu la boulangerie sans les consentements de personne? Et qui veut savoir? Toi? Toi, mon ami, disparaît ici. Quel est juste ton problème? Je ne bougerai pas d'ici, Ike Chukwu. Je ne bougerai pas. Jusqu'à ce que tu me donnes l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Trouves-tu que tu parles au fils aîné? Regardez-lui. Le fils aîné du père que tu as déshonoré? Tu m'as bien entendu. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu me donneras l'argent de ce que tu as vendu. C'est tout. Ok, c'est ça. Tu penses que c'est le palais ici. Je vais t'apprendre une leçon. Attends, j'arrive. Tu penses que c'est le palais ici. Et tu ouvres ta bouche pour me dire des bêtises. Si tu me donnes l'argent, je te remets ton contact. Elle a emporté les clés? Shit! Si
tu sais ce qui est bon pour ta fille, dis-lui de me ramener la clé de ma voiture maintenant. Tu dis... Je suis venue te poser une question. Pourquoi es-tu en train de travailler durement pour détruire notre famille? Détruire votre famille? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais très bien de quoi est-ce que je parle. Qu'est-ce que mon père t'avait fait? Tu es l'un des hommes auxquels leurs enfants ont bénéficié du bourse de mon père. Il avait construit cette maison pour toi. Il t'avait même envoyé à l'étranger pour tes soins médicaux. Oledo, pourquoi écoutes-tu toutes ces histoires? Pourquoi es-tu en train d'essayer de détruire ma famille? Pourquoi es-tu en train d'encadrer mon frère dans la distraction? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais très bien de quoi est-ce que je parle. Tu le sais bien. Toi et Ikemba avaient introduit mon père dans une science occulte. Et vous voulez qu'il sacrifie le sang humain. Mais laisse-moi te dire ceci. Peu importe ce que vous faites, vous allez le payer. Mais c'est quoi ça? Quelle audace! De toute façon, nous allons voir. Mais c'est quoi ça? Elle parvient à avoir le courage de venir me parler comme ça. C'est moi. Oledo. Oledo. J'espère que tu vas terminer cette bataille que tu viens de commencer. Moi, Ikemba. Hola. Tu oses venir parler devant moi. Tu n'as pas eu peur. Moi, les lions de ce royaume. Tu as vraiment eu de la chance, toi. Hola, c'est à moi que tu as dit ça. Moi, Ikemba. Ah, cette fille n'a pas du tout peur. Hein? Ikemba. Tu sais que cette fille n'a pas eu vraiment peur de moi. Ikemba, qu'est-ce qui retient ce garçon? Comment je le saurais? Tu te rends compte que Ola est venu ici pour me grimacer dans ma propre maison? Oledo encore. Elle était dans ma maison si haut. Je pense que nous devons fixer une autre date pour ce rituel. Il n'y aura pas de marche arrière. Si seulement tu oses dire à Ike combien coûte le sacrifice, on aura cet argent. On aura cet argent. Et que faire pour les objets? Tu ne vas rien acheter. Ah. Oui. Alors comment allons-nous faire ce sacrifice? Tu vas le laisser marcher lui-même sur ses propres pièges. Ikemba, qu'est-ce que tu veux dire? Ne te dérange pas pour ça. Reste juste à côté et regarde comment je vais jouer cette affaire. Oh, Ikemba Bwakalozo. C'est moi le grand Ikemba. Quand je monte un plan, je n'échoue jamais. Maintenant, comment est-ce que ça s'est passé? J'étais revenu de l'église et c'était l'après-midi d'un dimanche. Et un garde du palais avait couru vers moi et m'avait informé que Sa Majesté Ibotika voulait absolument me voir. Hein? Votre Majesté, vous avez demandé à me voir. Mamboji. Oui, Votre Majesté. C'est bien toi. Toi? Oui, Votre Majesté. Donne-moi ta main, Mamboji. Je sais que je vais mourir. Votre Majesté, vous irez très bien. Vous irez très bien.
nous allons vous emmener en Égypte ou bien en Inde. La semaine prochaine. Ce n'est plus nécessaire. J'ai déjà franchi la ligne. Omamboji. Votre Majesté. Tu es un gentil homme. J'ai sondé mon cœur. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Tu es la seule personne qui puisse reprendre le flambeau du leadership. C'est toi que je vais couronner. Votre Majesté, mais je ne suis pas le plus vieux. Il n'est pas question d'âge. Les dieux sont au courant de ça. Ikemba ici. Et Ono. Te soutiendront. Oui. Nous serons là pour toi. Tu le mérites. Et s'il te plaît, ne refuse pas cet honneur. Parce que c'est vraiment un honneur. Non, Majesté. Permettez-moi d'aller à la maison pour y réfléchir. Omamboji. Votre Majesté. Tu veux y réfléchir. Tu peux t'en aller. Rassure-toi que tu reviennes aujourd'hui. Mon cœur faiblit très vite. Je reviendrai vite, Votre Majesté. Rassure-toi que tu reviennes, Omamboji.